J'aime bien reprendre la métaphore militaire, puisque M. Macron nous l'a imposé dès le début. Hein, on est en guerre. Mais excuse-moi, mais si tu es en guerre, tu mobilises toutes tes forces. Tu laisses pas l'infanterie à la caserne. Tu laisses pas l'infanterie à la caserne, c'est juste pas possible. Il y a 105 000 médecins généralistes en France, il y a 150 000 infirmières en libéral derrière. Ce sont les gens qui sont les plus proches des familles, des personnes âgées qui suivent, etc. Et tu leur dis, mais vous n'avez rien à faire. Les gens vont prendre du Doliprane et ils appelleront le 15 si jamais ça dégénère, il faut les hospitaliser. Enfin, c'est une aberration. C'est une aberration. Qui plus est, en disant, oh mais surtout, on est pourvu que l'hôpital ne soit pas engorgé. C'est une blague. C'est vraiment stupide. Donc la base pour moi, c'est ça. Le premier truc, c'est les gens qui nous dirigent, en fait, ne sont pas compétents. C'est ça le souci. Alors ils passent leur temps, évidemment, à essayer de faire dire le contraire. Regardez, nous sommes la jeune génération, on a viré les éléphants. On est super bien sapé, on parle bien, machin. Regardez comment on maîtrise l'informatique. Oh, putain, ton infographie, elle est wow, le top. Wow, ce camembert qui scintille quand on passe dessus. Wow. Ok, ils sont super bons en com, ils font de l'informatique, d'accord. Mais sur le fond, c'est zéro. C'est zéro, la santé publique. Ils connaissent pas, ils y comprennent rien, à l'évidence. Bon. Donc, premier truc qui m'a choqué, c'est ça. C'est quand même pas possible d'empêcher les médecins de soigner. C'est un catastrophe. Je dirais même, donc, c'est criminel. C'est criminel en réalité.